Et cette année, le synode a eu deux temps forts. Un, la présence d'une délégation des responsables du PCC en vue de la préparation de la 12e Assemblée générale du PCC. La conférence des églises du Pacifique qui aura lieu au pays du 16 au 24 novembre prochain. Donc ce sont près de 250 délégués qui seront présents à Nouméa pendant cette Assemblée générale en novembre. Des délégués qui viennent de l'ensemble des églises du bassin Pacifique. Et le deuxième temps fort de ce synode de l'EPKNC, c'était un travail préparatoire des assises de l'EPKNC. Après 10 ans de son changement de nom, a besoin de se poser, de réfléchir à son fonctionnement, à sa place dans la société.